Et salut à toutes et à tous, c'est Ocrad, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Ultra Age. Alors Ultra Age, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu d'action très dynamique visiblement. Et donc du coup je suis plutôt chaud et là on se retrouve donc sur la version. On peut mettre en anglais les voix? Allez, pourquoi pas. On peut. Donc du coup on est sur la version PS5 hein, de la démo. Mais c'est également dispo sur Nintendo Switch et PC. Voilà, à vous de voir hein, maintenant si ça vous plaît ou pas. Mais en tout cas, ça débarquera hein, le 9 septembre, donc très bientôt. Et donc, on va faire nouvelle partie. Let's go. Ah, je suis chaud. Très chaud pour découvrir ça. C'est un studio coréen hein, qui fait ce jeu. Et donc, je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Alors c'est pas un gros studio, attention, je suis pas en train de vous dire c'est le triple A coréen qu'il vous faut, machin, quoi que ce soit. C'est un jeu à petit budget. Mais la bande-annonce, elle m'a donné ultra envie. J'ai dit ok, il me le faut. Enfin, il faut que je teste ça. Je vais monter un peu le son. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je rebaisse le son du coup. Ah, ça y est, on y est. Ça. Bon, il m'a pas l'air très bien notre personnage là. J'ai mal à la tête. Alors je vous laisse profiter un peu du doublage.探索チームを上級操作官エイジ残された寿命6日12時間39分見た目はデルカミアンに似ていてもお前には知性も知恵も足りないうぬぼれるだよ。任務から生還した時は履いていた下着を重盛りとして取っておいた任務に飛び立つ前の反省会務か分かったよやめろ。 Ok, donc le robot te troll violent. イルビス違いない。何があったんだ？自分にもわからない。私はこの改革に移されたんだろう。あれは一体何なんだ？メディアとデュカリオンはこれで何をするつもりなんだ？好奇心は大事だが、今は近くで検知された NSB に集中しよう。メディアへの戦闘部隊が俺たちを探しているようだ。 Ok. Donc, on va absorber le cristal. Obtenez l'énergie des cristaux qui poussent dans la zone ou des objets laissés par les ennemis vaincus. Ok, donc c'est rond. Voilà. Réalise 4 attaques. Ok. Donc, on a plusieurs commandes, forcément. Ok. Attaque puissant, coup de lame. Déclenche une taillade puissante. Donc, R1. Ok. L2. Oula. Ouais, pas mal, hein. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, poche de soin. Et je me remets du soin. Ok. Jusque là, on est bon.
Et là, on va avoir un petit combat. Non ? Même pas ? Voilà. Alors, distorsion temporelle. Ok. Et donc là, je peux accélérer le temps pour récupérer des... Waouh, pas dégueu, hein. Pas mal, hein. Franchement, pas mal. Le principe est pas mauvais, même si ça n'a rien de très très original, hein. Mais ça envoie. Plutôt intéressant. Maintenant, on va voir le système de combat. Ça va être autre chose. Ok. Alors, on peut cibler. Très bien. Wow! Ah oui, il tape dans le dos. Attends, mais comment j'esquive? Ok, j'ai trouvé. Tac, 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 tac. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. J'ai pas encore trop le réflexe de l'esquive, mais pourquoi pas. Eh, c'est pas mal, hein. C'est dynamique, hein. C'est pas le plus dynamique que j'ai connu, mais... il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se dégage, en tout cas. Très intéressant. Alors, bien sûr, faudra voir, hein. Faudra voir un peu sur le long terme, mais... pour l'instant, je trouve pas ça dégueu du tout. Hop. Je vais juste me remettre un peu d'énergie. Mais forcément, j'ai dû me faire toucher, hein, sans le vouloir. Eh, franchement, pas mal du tout. Cristaux violets. Absorber l'énergie d'un cristal violet pour fabriquer un module. Okay. D'accord, donc tu peux créer des modules pour ton arme. Ok, jusque-là... jusque-là, ça me va. C'est fluide. Bon, par contre, je vais passer un petit peu. Faut pas m'en vouloir, mais... il faut pas m'en vouloir du tout. Ok... allez, je passe un peu. On peut améliorer. Très bien. Alors, amélioration terminée. Et donc là... ok, j'augmente les dégâts, etc. Ok, ok, très très bien. On va récup. On récup encore. C'est quoi ça? Nice. Des pièces donc. Ok. Eh, franchement, pas mal cette petite démo. Très très intéressant. C'est un petit projet à suivre. À suivre de près. Allez, je passe. Vous ne pouvez pas aller dans cette zone car elle est bloquée par des cristaux. Vous pouvez détruire la structure en l'attaquant avec une lame possédant les mêmes propriétés. Ok. C'est ce que je me disais. On va gagner du temps en fait. Le but c'est de vous montrer un maximum sans que la vidéo dure 2 heures. Oh, il m'a l'air balèze lui. Oh, il va être costaud celui-là. What the? Eh, pep, qu'est-ce que tu fais, mon gros? Oh! J'ai pas eu le temps d'esquive. Bon, ça va, je l'ai éclaté. Ok.
Ok, le katana inflige plus de dégâts aux ennemis biologiques. Ok, très bien. Nickel, bon. Tout la même chose. Et du coup, je peux changer d'arme. Nice, j'aime bien. Ça a l'air un peu plus lourd, non? Je sais pas. Je sais pas, mais ça me plaît bien, le katana. Hop là. On retourne par là. Ah, j'aime bien, c'est dynamique. C'est pas très original dans ses décors pour le moment, ni dans ses ennemis, mais il y a un petit quelque chose. Ok. Du coup, comme il a les mêmes propriétés, on va pouvoir éclater ce mur. Et yes. Et donc, si je rechange... Hop là! Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Putain, dégage. Pas beau. Oh, c'est le bourrinage comme je l'aime. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Très très bon. C'est très très bon ça. Y'a rien là-bas? Y'a rien. J'aime beaucoup. Ah ah. On va changer d'arme là. Oui. Tiens, dégage. Hop là. Waouh. Il m'a fait très mal là. Il m'a fait ultra mal. Il m'a mis pas bien là. Et je vais changer d'arme à nouveau. Ouh! Je suis nul! Je suis nul! Game over, sérieux! Nul! Nul le mec! Nul à Yesh! Ah, par contre, je reviens là! Ça, c'est pas terrible! Je suis dégoûté! Ah, je me suis fait destroy! Ça a bien piqué là! J'étais pas très loin, mais je sais pas, j'ai cafouillé, j'ai fait de la merde, en gros. En gros, hein, voilà. Après, ça va, les ennemis ont pas l'air de repopper tout de suite. Ah, j'ai rien dit. Ça repop, en fait. Hé, hey, il fait mal, lui. Mais calme-toi, Jean-Pierre. Allez, casse-toi. Ouch. Ça pardonne pas, hein, par contre. Voilà. C'est ok. Eh ben, dis donc. Je vais me mettre du soin, là, parce que je suis pas bien. Il est plus là? Ah ouais. Le féroce, il a disparu. Chelou. Merde. Bien joué. Bien joué, Okrad. C'était beau, ça. Il a l'air d'avoir un truc, là-haut. Je pourrais pas l'atteindre d'ici. Oh. Bim! C'est mieux.
Ok. Là, on est plutôt pas mal. Ah, l'autre, il a repop. Ah non, non. Rien à voir. Je me trompe. C'est plus bas, donc c'est pas le même. Ok. Hop là! Calme-toi, mon petit gros. Ouch! Il fait très mal, lui. Oh! Purée! Mais quand c'est pas l'un, c'est l'autre, là? Je me fais déboîter! Sauf qu'il peut. Oh! What? Mais non! Bon, je suis ridicule hein, sur cette vidéo. Je me fais éclater, mais c'est trop, quoi. Je suppose qu'ils vont monter, eux, non? Ça va, ils savent pas monter. Bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Prendre un petit peu de soin, du coup. Ah, mais ils sont... sévères, hein? Punaise! Non, 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 non. Oh purée, mais quel abruti alors. J'ai pas encore bien le système de combat en main, ça se voit. Hein. Oh oui, ça se voit bien même. Pardon, je voulais pas te faire mal. C'est pas moi. Excuse-moi, je suis nul. Je te respecte beaucoup, le drapeau, le féroce. What? Et si je peux te déglinguer quand même, je vais le faire. Oh, wow, wow, wow. Allez, dégage. Vilain. Quel vilain. Bon, ok, pas évident. Pas évident, le système de combat, faut le prendre en main quand même. Hein. Faut y aller, mais tout doux, quoi. Faut y aller à la cool. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là? Rage critique. Lorsque vous infligez des dégâts ou éliminez un ennemi, la jauge de rage critique augmentera et vous pourrez l'utiliser. Ok. C'est bon à savoir. Oh, il m'envoie des missiles le... Jean-Pierre là. Dégage. Ça va aller, oui. Mais ils vont se calmer, hein. Bon, en tout cas, c'est prenant. Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est très très prenant comme jeu. Donc je vais surveiller ça de très très près. Je sais pas s'il y aura une version boîte. S'il y a une version boîte... why not? Ah! Les robots. Ah! Les robots. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Oh, il fait mal. Oh, il fait mal, le con. Oh, il fait mal, le petit perle. Ah! Il fait turbo mal, ce... Jean-Pierre, bien... Jean-Pierre blindé, là. Ah! Non, pas cette attaque-là! Ah, elle fait trop mal, celle-ci. Ah, je suis mort. Bah voilà, hein, c'était bien. C'était bien. C'était un bon jeu, Ultra Age. Pas forcément facile, mais sympa. Il y a un petit côté roguelike, hein. J'ai l'impression. Parce que bah, tu peux améliorer tes armes et du coup, tu iras de plus en plus loin, etc. Ça m'intéresse bien. Franchement, ça m'intéresse bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, c'est très sympa. C'est à surveiller de près. Améliorer, etc., etc. Vous voyez, je peux améliorer mes lames, je peux améliorer mes boosts, mes gants, mon câble, etc., etc. Bref. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez compris, on va pas faire une heure sur la démo non plus, un petit 20 minutes, je pense que c'est largement suffisant. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la tester, hein. La démo est dispo, donc pour se faire une idée du gameplay, c'est toujours mieux qu'une vidéo. Mais si j'ai pu vous faire découvrir ça...
par le biais d'une vidéo, bah c'est déjà ça. Et puis bah maintenant, à vous de jouer, à vous de tester cette démo. Et puis éclatez-vous, c'est le principal. Bah oui, bien sûr. Et écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vous dis donc à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Ocrade. Et comme d'habitude, eh bien vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis et à la prochaine. Allez, dégage-toi. Bim. Voilà. Allez, ciao ciao.